Charlotte, Charlotte, s'il te plaît. Ah. Attends 10 minutes, je finis. Je vais te cuisiner les lasagnes. Non, c'est bon, je mange avec un ami ce soir. Ah oui? Un ami de l'université? Oui. Et vous mangez ensemble? Oui. Mais si tu décides de pas manger là-bas, je vais te laisser des raisins au frigo. Il y aura de la salade. Par contre, les cornichons, j'en ai besoin pour ma vidéo pour demain. Merci, mais c'est bon. Ah. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Ah, c'est bon. Ça va? Ça va et toi? Excuse-moi, j'avais pas vu que t'avais tes écouteurs. Pas grave. Techno? Toujours. Ah, t'es artiste? Ah, merde, j'avais pas vu. Non. En fait, pas du tout, j'ai pas de talent artistique en particulier, mais j'étudie l'histoire de l'art. Okay. Et en fait, je dois créer une maquette pour un projet d'exposition d'art imaginaire. Ok, ok. C'est un peu plus difficile que ce que j'avais pensé. Et toi, t'étudies quoi? Moi, je suis dans les langues. Je bosse sur l'anglais, l'italien, du français aussi un peu. Okay. C'est aussi plus difficile que ça en a l'air. Ok. Du coup, du coup, tout le monde a commencé à regarder, tu vois, on disait, mais non, c'est pas chauffeur du tout, ça n'a rien à voir. J'ai deux écoutes. Bah vas-y, vas-y. Non, non, vas-y, je vais choisir vite. Pour moi, ce sera la soupe alors. Ok. Des penne, s'il vous plaît. Merci, merci. Merci. Ça va? Oui. Pas. Enfin. Pas. T'as peur de. Mon haleine ou. Ah non, non. Non, j'aime bien la soupe. Ok. Merci. Et donc voilà, donc il est DJ et il m'a dit que il va faire une soirée dans pas longtemps. Et il m'a dit que si je pouvais inviter des gens, fallait pas que j'hésite, tu vois. Donc je voulais savoir si ça t'intéressait. Benjamin, je suis désolée, mais il va falloir que j'y aille. Quoi? Attends, Charlotte! Attends, Charlotte! Charlotte, Charlotte, attends, ça va pas? Pourquoi est-ce que tu t'en vas? Qu'est-ce qui se passe? Écoute, c'est pas toi, d'accord? J'ai oublié un truc. Le métro arrive. Quoi, mais...
quand je lui ai demandé ce que j'avais fait, elle est partie comment? Non, Jean-Jean. Ouais. Elle est partie en courant comme vers le métro, comme si c'était un meurtrier. Là. C'est pas cool, mais c'est son problème, mais c'est pas ton problème à toi. Hein. Ouais, mais quand on était au restaurant, j'ai pris une soupe, elle m'a regardé comme si j'avais pris de la merde. Et j'ai voulu envoyer des textos, je vois qu'elle les voit, tu vois, elle commence à y répondre, mais je reçois rien, genre. Laisse tomber, ou je sais pas, enlever la monnaie de sa pièce. Mm. Tu l'invites à un deuxième rendez-vous, tu te pointes, et tu te casses sans rien dire, tu verras ce que ça lui fait. C'est à elle de payer en plus, non? Ouais. Bah voilà, hein, tu l'as fait raquer, un truc hyper cher. Ouais. Non, je peux lui faire ça, j'imagine qu'elle ait des problèmes, genre. Mm. C'est ce qu'elle te fait à toi, de toute façon. Donc c'est de bonne guerre. Bon bref, tu viens à l'éphémère ce soir? Je sais pas gros, j'ai trop de boulot. Bah, c'est ce week-end. Déjà tu vas pour mon set, c'est sûr? Il teste un nouveau concept, tu vas adorer. On verra, on verra. On verra, on verra, viens, on y va. Vas-y. On verra toujours avec toi, de toute façon. Ah, mais c'est jamais sûr. Charlotte, ça va? Qu'est-ce qui va pas? Bon, écoute, je te l'ai déjà dit, d'accord? C'est pas toi, c'est moi. D'accord, je comprends. Enfin non, je comprends pas, mais... Je suis quand même désolée pour vendredi. Bonne chance pour tes examens alors. Je retourne bosser. Non, écoute, c'est vraiment moi. Je peux pas entendre certains bruits, comme manger, parce que j'ai un problème auditif qui s'appelle la misophonie et c'est pour ça que je suis partie. Et à cause de ça, j'ai peur de ne pas pouvoir aller au restaurant, même si j'en ai envie. Voilà, je te laisse. Attends, Charlotte. T'aurais pu me le dire plus tôt. J'aurais compris. Putain, je l'ai mangé, cette soupe. C'est gênant. Non, mais non, c'est juste un truc... C'est juste un truc qu'on doit accepter. Moi aussi, j'ai des problèmes particuliers. Par exemple... Je suis allergique aux lapins. C'est vrai? Oui, mais si on évite les lapins et les soupes, ça devrait aller, non? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Tu vas où? Je sais pas, c'est Benjamin qui choisira. Ah, tu lui fais confiance? Bah ouais. Et ta dernière sortie au restaurant, ça s'est bien passé? Sans problème? La misophonie, c'est juste pour m'éviter, alors? Non, pas du tout. Tu vois, la dernière sortie, c'était terrible, mais quand je lui ai expliqué, il a compris, il a pas mal pris, contrairement à toi. Charlotte, je suis désolée, je comprends pas grand-chose à ce qui se passe pour toi, la misophonie, tout ça, mais je serai toujours là pour te soutenir. Merci. Bonne soirée, mon petit chat. Et tu me raconteras comment ça s'est passé? Demain. Bonne soirée. Merci. Merci. Vas-y. Charlotte, je te plante Antoine. Antoine, Charlotte. Franchement, j'adore cet endroit et ta musique. Vas-y.